et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un haul vêtements qui viennent de la marque Gigi House. En fait Gigi House c'est une marque qui fait des vêtements pour des robes de mariée, des robes de cocktail, des tenues de fête, etc. Et du coup ils m'ont contacté pour tester avec vous des robes et du coup je vais y tester avec vous. Mais avant de commencer la vidéo je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les 35 700 abonnés sur la chaîne YouTube. Vraiment, merci beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, donc la marque Gigi House, c'est une marque du coup qui fait des robes pour tout type d'occasion. Du coup, j'ai pu en choisir. Donc j'ai choisi 4 robes, 4 paires de chaussures, 2 pochettes, donc 2 petits sacs, et des accessoires. Donc comme je vous l'ai dit, du coup, je vais tester ces robes avec vous. Et aussi, donc, si vous êtes intéressé par les robes, les chaussures, etc., vous avez moins 10% sur tout leur site avec le code 10claudia. Donc, je vous l'afficherai sur l'écran. Et il y aura aussi tous les liens, etc. Donc, les liens de mes robes, le code promo, tout sera en barre d'infos. Du coup, je vais ouvrir la première robe. Donc, la première robe, elle se présente comme ceci. Donc, en fait, ils se présentent tous, en fait, dans des petits sacs comme ça. Et aussi je voulais vous dire, donc pour les tailles de vos robes, je vous conseille vraiment de prendre du sur-mesure parce que c'est vraiment mieux, comme ça vous êtes sûr que c'est bien votre taille puisque vous pouvez faire du sur-mesure et comme ça vous êtes sûr que ça vous ira. Donc voilà la première robe, donc c'est une robe noire, donc ici vous avez tout le détail du produit, donc voilà. Et donc ils sont emballés dans des petits sacs comme ça, plastique. Du coup on va ouvrir la première robe. Donc voilà la première robe. Alors elles sont assez grandes quand même, donc je vais pas pouvoir vous la montrer en entier sur l'écran comme ça, mais de toute façon je vous la montrerai portée. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est une petite robe à bretelles comme ceci, voilà, très jolie vraiment. Donc derrière donc vous avez le petit zip et donc je vais me lever et je vais vous montrer. Du coup elle est grande comme ça à peu près, voilà. Voilà, donc elle descend jusque là. Et franchement, elle est très jolie. Le tissu, vraiment, il a l'air d'être d'une qualité super bien, vraiment. Du coup, voilà. Et elle, la texture, elle est vraiment, ça a l'air vraiment agréable à porter, vraiment. C'est très très joli. Donc on va la voir porter juste après. Et du coup, vu que j'avais des chaussures avec... Donc du coup j'avais, j'ai choisi des chaussures avec, donc elles sont juste ici. Donc vous avez des chaussures pour enfants, mais moi sachant qu'en fait j'ai le pied assez long, je mets du 38, mais en fait mon pied il est vraiment super fin, du coup j'ai du mal à choisir des chaussures. Du coup j'ai choisi chez les femmes les chaussures, donc voilà. Donc pareil ici vous avez, sur tous les plastiques vous avez l'information du produit que vous avez choisi. Et donc là c'est dans un petit pochette plastique aussi. Et donc voilà pour les chaussures. Donc elles sont emballées dans des petits sacs plastiques. Hop. Et donc dedans c'est bien protégé, franchement super bien. Et donc la chaussure se présente comme ceci. Franchement elle est hyper jolie. Donc en fait vous la mettez comme ça. Donc là vous mettez votre pied dedans. Et donc vous l'accrochez comme ça. Donc je vous montrerai à porter. Hein. Et franchement c'est super joli parce qu'en fait genre c'est un mélange de doré... et noir, et franchement ça je trouve ça assez sophistiqué et franchement c'est super joli. Un petit détail juste ici avec une petite pierre, voilà, franchement c'est super joli. Donc il y en a deux hein, c'est mieux. Donc, voilà. Hop. Donc franchement c'est bien parce que c'est super bien protégé, du coup c'est vraiment super bien, comme ça ça s'abîme pas pendant le trajet. Donc voilà pour les deux chaussures ce qu'elles donnent. Donc comme je vous l'ai dit je vous les montrerai portées hein. Mais franchement elles sont hyper jolies. Le talon ça va, il est pas trop grand. Donc franchement ça va, ça devrait aller pour marcher. Donc voilà pour les chaussures. Avec cette robe du coup j'ai une petite pochette. Du coup je vais vous la montrer. Donc pareil elle est emballée dans un petit sac plastique. Donc hop on va ouvrir. Voilà. Alors voilà la petite pochette. Franchement elle est hyper jolie. Très très belle franchement. Alors, j'entends un petit, une petite chaîne dedans. Ouais, il y a une petite chaîne. Ça, c'est bien. Donc, vous pouvez la transporter. Vous pouvez la mettre comme ça, etc.
Donc franchement, super jolie comme petite pochette. C'est un peu la texture, c'est un peu comme du velours. Je sais pas si vous verrez très bien. Mais ouais, c'est du velours. Et donc là, en fait, vous avez un petit détail comme ça. Et ça rappelle la chaussure parce que... Du coup, c'est un peu pareil, vous voyez. Donc franchement, ça a l'air super beau. Et la pochette, est franchement, elle est très très jolie, hein, vraiment. Donc voilà, donc j'ai fait des petits lots de tenues. Donc ça, ce sera la première tenue. Voilà. Et du coup, aussi, en fait, j'avais choisi une paire de chaussures beige. Et je trouve... Enfin, elle a l'air d'aller super bien avec la robe noire. Donc, je vais aussi essayer les chaussures et la pochette beige avec cette robe. Donc, voilà les petites chaussures que je vais vous montrer. Voilà. Alors, donc voilà la chaussure. Donc, c'est un petit peu une petite bottine. Très jolie avec un petit nœud et tout. Franchement, très très belle. Très jolie. Donc, hop. Donc dedans aussi, donc vous avez des petits comme ça, un truc en plastique pour que la chaussure elle garde la forme et ça c'est très très bien. Donc voilà les deux petites chaussures, voilà comment elles sont. Et du coup il y a la pochette qui va avec. Et donc voilà la petite pochette. Franchement elle est très très belle aussi. Donc, hop, elle s'ouvre comme ça. Il y a aussi une chaîne, ça c'est cool. Moi franchement je préfère quand il y a des chaînes dedans. Parce qu'au moins vous pouvez la transporter comme ça sur votre épaule là. La chaîne elle est assez longue mais franchement super jolie. Donc là c'est bien parce que du coup c'est aimanté. Comme ça, elle est très très belle. Et donc voilà ça, donc c'est le deuxième lot de toujours avec la robe noire. Parce que je trouvais que ça avait l'air d'aller super bien ensemble. Voilà. Donc voilà pour la première tenue, franchement je trouve elle est hyper belle, la qualité de la robe franchement elle est super bien. Aussi je voulais dire, j'ai pris des bijoux, mais ceux-là je les essayerai à la fin de la vidéo, mais vous pouvez très bien les mettre avec les robes pour vous faire un total look, mais moi je les essayerai à la fin de la vidéo. Donc maintenant on va passer à la deuxième robe. Donc pour la deuxième robe, c'est une robe violette, donc voilà. Donc c'est une petite robe comme ça, donc on va l'ouvrir. Donc j'ai choisi en couleur violette, donc vous pouvez la choisir en plusieurs couleurs. Pareil pour la noire, vous pouvez choisir d'autres couleurs. Donc moi j'ai choisi violette, celle-là. Alors, voyons la petite robe. Waouh. Donc elle se présente comme ceci. Donc vous avez une petite ceinture. Très très belle, franchement. Voilà. Et donc en fait, le dos, je trouve il est très joli parce qu'en fait, il y a des petits nœuds. Et franchement, c'est super beau. Donc je vais vous montrer la longueur de la robe. Je vais me remettre debout. Alors, voilà la longueur de la robe. Donc elle est assez longue. Alors elle est moins longue que la noire, mais elle est quand même assez longue. Et franchement, elle est très très belle. Franchement, j'aime beaucoup. Et le petit dos là, comme ça. Elle est très très belle, vraiment. Pareil, la qualité des robes sont franchement incroyables. Et franchement, niveau prix, c'est quand même assez raisonnable parce que vous pouvez vraiment en trouver des beaucoup plus chères. Et franchement, elles sont hyper jolies, vraiment. Et donc, avec les chaussures qui vont avec. Donc voilà, je vais vous les montrer du coup déballées. Hein. Donc pareil, c'est toujours dans les petits sacs plastiques, donc ça c'est vraiment bien. Du coup, c'est bien protégé. Alors, donc voilà pour les chaussures. Franchement très très belles, j'aime vraiment beaucoup.
parce que franchement c'est super beau. Voilà pour la petite chaussure avec la deuxième. Donc voilà pour les deux chaussures. Hop. Franchement elles sont super jolies, hein, vraiment. Il n'y a rien à dire, vraiment c'est super beau. Et du coup pour le sac, je vais garder le même que pour la robe d'avant. Parce que je trouve qu'il va bien avec les chaussures, vu que noir et noir ça va bien ensemble. Plus la robe qui est violette, c'est déjà très coloré. Du coup avec le petit sac noir ça va très bien aller. Donc voilà pour la robe. Donc franchement portée, elle est très très jolie. Franchement j'aime vraiment beaucoup la robe, très bonne qualité. Je sais que j'ai répété plusieurs fois la qualité, mais franchement elle est super belle. Donc maintenant on va passer à la troisième robe. Donc la troisième robe qui est comme ceci. Donc c'est une robe blanche. Et donc hop, on va l'ouvrir. Elle est super grande. Enfin, en fait, il y a une toile qui part derrière. Et franchement, c'est super beau. Donc, je vais vous la montrer. Hop. Donc, voilà. Donc là, c'est un petit col en perles. Ça se présente comme ceci. Je vais me relever. Donc, voilà. Donc ça, c'est la petite robe. Comment elle se présente? Donc, en fait, c'est une robe courte. Sauf qu'en fait, vous avez la petite toile qui part derrière, comme ça. Très, très jolie. Franchement. Elle est très longue, du coup ça fait comme vous voyez quand vous vous mariez, en fait pour les robes de mariée. Et c'est la même chose sur la robe, et franchement elle est très jolie. Donc voilà, ça se rassoit. Donc en fait au niveau de la ceinture, donc il y a des petits détails comme ça qui vont aussi derrière, et du coup là c'est les accroches. Donc je crois, ouais, vous pouvez enlever la petite tunique là qui part derrière, et elle est très très belle. Voilà pour la petite robe. Et du coup pour les chaussures, donc elles se présentent comme ceci. On va les déballer. Donc franchement c'est bien parce qu'elles sont vraiment bien protégées. Et vous êtes. En fait ils ont tous des petits trucs comme ça à l'intérieur. Du coup ça garde la forme de la chaussure. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà pour la chaussure. Donc franchement elle est trop trop belle. Il y a... Vous passez votre pied dedans. Et en fait ici du coup au niveau du talon, on va dire. Au niveau de la cheville, du coup, vous avez les petites perles comme ça. Et franchement, elles sont super belles. On va ouvrir la deuxième. Et donc, pour la deuxième chaussure, donc voilà, c'est la même. Hein, mais franchement, super belle, vraiment. Trop, trop jolie, j'aime vraiment trop. C'est super beau. Et je vais essayer ça tout de suite. Donc voilà, maintenant vous m'avez vu porter la petite robe, donc franchement elle est super belle. Franchement avec la traîne derrière, je trouve ça vraiment joli. Ça rajoute un peu tout à la robe. Et les chaussures, oh, les chaussures elles sont trop belles, j'adore vraiment. Donc voilà pour la troisième robe, et on va passer à la quatrième et dernière robe. Donc voilà la dernière robe, alors elle pèse hyper lourd franchement. Oh, le petit paquet.
Et du coup, pareil. Donc c'est une robe blanche. Et elle, vraiment, c'est vraiment une robe de mariée. Voilà. Vous allez vous marier vraiment quand vous portez cette petite robe là. Franchement, elle est hyper belle sur le site. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir comment elle est en vrai. Alors, donc là, elle prend toute la place, la robe. Donc, ah ouais, elle est hyper longue, je vous la montrerai. Je vais vous la montrer. Alors, voilà, donc en fait, ça c'est le haut. Donc c'est de la dentelle très très belle. Hop, et en fait, dans le dos, ici, donc en fait c'est un peu un dos nu, comme vous voyez là, comme ça, et ça part en V. Franchement, c'est super beau. Et donc, vous avez une petite ceinture. Où est la deuxième ceinture? Ah bon, vous avez une petite ceinture comme ça pour y accrocher. Voilà, je l'ai retrouvée. De petite ceinture. Du coup, je vais vous montrer la longueur. Donc franchement, elle est hyper longue. Alors. Donc, elle est... Elle fait tout ça de long. Ah oui, elle est plus grande que moi. Non mais franchement, elle est super longue, elle est super belle, par contre elle a l'air vraiment hyper jolie, vraiment super princesse, très belle. Donc voilà, derrière, je vais me rapprocher de vous avec le dos nu, etc. Et franchement, elle est hyper belle, donc je pourrais pas vraiment vous la montrer jusqu'au bout, parce qu'elle est trop grande en fait. Elle est tellement grande que j'arrive pas vraiment à vous montrer tout, mais elle est tellement belle. Genre, je pense porter, c'est tellement comme... Vous voyez, princesse, ça pour un shooting ou un truc, c'est vraiment beau. Super beau, j'aime. Super joli. Et en robe aussi de... Comment on dit? En robe de cérémonie. Ça, c'est super beau. Et si vous avez la chance d'être aux États-Unis et que vous avez des balles de promo dans votre collège, vous faites succès avec cette robe-là. Donc, voilà pour la robe. De toute façon, je la montrerai portée. J'ai trop hâte de la mettre, elle a l'air trop belle. Et du coup, comme chaussures, je vais garder les mêmes que la précédente, voilà, qui sont très très belles. Donc voilà. Donc voilà, vous l'avez vu porter. Franchement, elle est juste magnifique. Franchement, on dirait une petite princesse. Franchement, elle est juste magnifique. Genre en plus, la qualité, elle est trop belle. Elle est hyper, hyper jolie, franchement. On dirait vraiment que vous sortez d'un petit château, vous voyez. Franchement, elle est trop belle. J'aime trop. Et donc voilà pour les robes et les chaussures et les pochettes. Et maintenant, on va passer aux accessoires. Donc voilà, du coup je vais déballer. Donc c'est tout dans du papier bulle, comme ça dans le trajet ça se casse pas. Donc c'est super bon. Alors je vais, vu qu'il y en a plusieurs, j'ai un peu pioché comme ça au pif. Et du coup je vais les essayer. Donc, alors on commence par ça. Donc ça, si je m'en souviens bien, c'est des gants. Parce qu'en fait du coup j'ai décidé de prendre des petits gants, si jamais ça peut vraiment être joli. Voilà. Et du coup, ah en fait non, c'est pas des gants, en fait c'est pour décorer le bras. Je vais vous montrer. Donc en fait déjà il y en a deux pour chaque bras. Et du coup il se présente comme ceci. Donc là vous avez les petites fleurs. Et donc je vais les accrocher sur mon bras. Mais en fait c'est des petites fleurs. En fait vous voyez là il y a un nœud. Vous l'accrochez ici au niveau du bras. Et je vais vous montrer ça. Donc voilà, je les ai essayés et franchement ils sont super beaux. Donc là vous les attachez avec des petits nœuds comme ça. Et donc là vous avez un fil que vous passez au majeur. Et comme ça, ça permet de tenir. Franchement c'est super beau. Donc là vous avez une petite pierre très très belle. Et là du coup le petit détail avec de la dentelle et tout. Et franchement c'est juste magnifique. Vraiment super beau. Donc voilà, du coup on va passer au prochain bijou. Alors voilà. Du coup en fait ça c'est un truc que vous attachez dans vos cheveux. Franchement ça a l'air très joli.
Donc là, voilà, je l'ai ouvert. Et donc là, il y a un peu des petites marguerites et tout, avec des perles. C'est très très beau. Et donc là, vous avez deux rubans de chaque côté. Et du coup, c'est pour l'accrocher un peu comme ça sur la tête. Et du coup, bah, je vais l'essayer. Donc voilà, je l'ai mis sur la tête. Donc en fait, c'est comme un petit peu un serre-tête. Et franchement, c'est super beau. Donc vous l'accrochez derrière avec les rubans. Et franchement, c'est super joli. Très beau. Donc ensuite, le prochain accessoire. Donc en fait, c'est un accessoire comme ça pour les cheveux. Voilà. Donc il se présente comme ceci. Donc je vais vous l'ouvrir. Mais en fait, lui, il s'accroche en fait pour décorer les chignons. Mais vu que je ne me suis pas fait de chignons, bah, je ne vais pas vous le mettre. Mais je vais quand même vous le présenter. Donc voilà, il se présente comme ceci. Donc il y a des petites perles et des petites feuilles. Franchement, c'est super beau. Et donc en fait, donc, comme je vous l'ai dit, ça sert à décorer les chignons. Mais du coup, je vais pas l'accrocher parce que j'ai pas de chignons. Mais franchement, c'est super beau. Très très joli. Donc on passe au prochain bijou. Donc ça, c'est un petit diadème. Voilà. Et franchement, il a l'air super beau. Donc on va l'ouvrir. Donc du coup, là, je vais le mettre. Hop. Donc voilà, je l'ai mis. Et franchement, il est super beau. Il est très beau. Bon, après, ça fait un petit peu princesse. Mais franchement, il est super beau. Hein. Franchement. Très très joli, j'aime vraiment. Je vais vous le remontrer parce que j'ai pas montré tous les détails, mais donc là il y a des petites perles et tout, des fleurs etc, des feuilles. Franchement c'est très très beau et il y a aussi un petit peu comme des petits brillants et c'est très très joli. Donc on passe au prochain objet. Donc maintenant c'est un petit bijou. Donc en fait c'est un collier et des petites boucles d'oreilles assorties. C'est très très joli. Du coup je vais les ouvrir. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il est franchement hyper beau avec le petit collier là. Du coup, je vais vous le montrer directement porté. Donc voilà porté. Donc voilà pour les petites boucles d'oreilles. Donc elles sont comme ça. Franchement, elles sont juste magnifiques. Et du coup, le collier, il est comme ça. Donc il y a plusieurs rangs. Pareil, les petites boucles d'oreilles, il y en a deux. Mais le collier, franchement, il est hyper beau aussi, hein, franchement. Avec les petites brillants et tout, on dirait un peu des petits diamants comme ça. Là, vous voyez pas très très bien parce que bah il y a beaucoup de luminosité. Mais franchement, elles sont juste magnifiques, hein, vraiment. J'aime vraiment trop. Donc voilà, et du coup, on va passer au prochain bijou. Donc là, il reste deux bijoux. Là, vous avez des petites pierres un petit peu de diamants. Et là, pareil. Et en fait, sur tout le long du collier, c'est que des petites perles. Enfin des petits brillants, je vais vous les montrer. Donc voilà pour les bijoux portés. Donc voilà par exemple pour une petite boucle d'oreille comme ça. Elle est juste magnifique. Franchement, trop trop beau. Et du coup pour le petit collier, donc il se présente comme ceci. Donc il y a plusieurs petits diamants là. Comme ça, très très beau. Plus là les petits diamants. Franchement c'est juste magnifique. J'aime vraiment trop trop. Donc maintenant on passe au dernier bijou. Donc voilà, il se présente comme ceci. Du coup bah, je vais l'ouvrir. Donc là je les ai enlevés du petit plastique. Donc voilà les petites boucles d'oreilles. Elles sont hyper belles franchement. Avec un peu tout qui est en diamant comme ça. C'est juste magnifique. Et donc voilà la petite deuxième. Et pour le collier, donc en fait c'est assorti aux boucles d'oreilles, puisqu'en fait donc c'est un collier comme ça, et du coup bah vous avez aussi hop, le même design on va dire qu'il y a sur les boucles d'oreilles. Du coup bah je vais les essayer. Donc voilà, je les ai mises. Du coup voilà les petites boucles d'oreilles, super belles. Et en fait du coup là vous pouvez voir que c'est de l'or rose en fait, un petit peu couleur rose. Voilà, pareil de l'autre côté. Et du coup pour le petit collier, donc il se présente comme ceci. Franchement il est très très beau. Donc en fait toute la chaîne c'est couleur or rose. Voilà. Et du coup c'est le même design que les boucles d'oreilles. Et franchement c'est juste magnifique. J'adore. Donc voilà pour cette vidéo. Donc j'ai fini de vous montrer mes tenues, mes accessoires, etc. Donc merci à la marque Gigi House de m'avoir envoyé ces produits parce que franchement ils sont juste magnifiques et franchement je les adore tous, ils sont trop beaux. Et aussi du coup n'oubliez pas que vous avez moins 10% sur tout leur site avec le code 10claudia. Et aussi comme je vous l'ai conseillé au début de la vidéo, du coup pour votre taille choisissez vraiment du sur mesure, comme ça vous êtes sûr que ça vous va parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo,
N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais reproduire. Et sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Never let that go. Please tell me if